Yo tout le monde, c'est Fanny, qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Daima. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, au cas où si tu as raté toutes les news de l'univers de Dragon Ball, eh bien sache que Dragon Ball Daima est un nouvel animé qui a été annoncé officiellement lors de la Comic Con avec le dévoilement d'un trailer qui personnellement m'a hype. La date de sortie est prévue pour automne 2024. Alors si tu ne veux plus rien rater de l'univers Dragon Ball, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki-Dama. On va y aller étape par étape dans cette vidéo avant d'attaquer, eh bien, le Super Saiyan 4. Il faut savoir une chose. Avant l'annonce officielle, on avait eu des leaks concernant Dragon Ball Daima. Ça devait s'appeler Dragon Ball Magic. Mais quelques jours avant, eh bien, ils ont changé le nom. En revanche, l'éditeur avait raison. Ils avaient parlé d'un Shin enfant, Goku enfant. Et effectivement, on a pu apercevoir que la Team Z de l'univers 7, eh bien, a rajeuni. Donc là-dessus, déjà, ils avaient bon. Ils nous ont parlé également de deux nouveaux antagonistes. Et effectivement, lors du trailer, on voit bien deux nouveaux personnages. Et d'ailleurs, j'ai hâte de savoir qui c'est, ça m'intrigue, j'aime bien jouer un peu les détectives. Hier, en live, on essayait de décortiquer tout cela, on analysait tout cela, et franchement, ça, je kiffe. Alors, maintenant, il faut savoir une chose. Il y a des leaks qui circulent, alors, il y a à boire et à manger à chaque fois. Mais par contre, il y a une chose indéniable dans Dragon Ball, depuis sa création. Il faut savoir, on a toujours eu des transformations. Nouveau film, nouvelle transformation. D'accord, ça c'est, que ce soit Battle of God, SSJ God, tu vois, Fukatsu no F, on a vu Golden Freezer, on a vu le SSJ Blue. Là, dernièrement, Dragon Ball Super Super Hero, Orange Piccolo, Gohan Beast, il y a toujours des nouvelles transfos. Là, d'après ce qu'on sait de Dragon Ball Daima, eh bien, Goku aurait perdu ses pouvoirs. Alors, pas seulement Goku, peut-être également même Vegeta, etc., la Team Z. Et que, du coup, il a besoin de son fameux bâton magique pour compenser cela. Alors, en soi, moi, ça ne me dérange pas. La nostalgie, bâton magique, etc. Mais ce qui voudrait dire qu'il n'a plus le SSJ Blue, il n'a plus l'Ultra Instinct. Et ça, ce sont les dires de Toriyama. Je vais vous montrer, avant qu'on attaque justement le SSJ 4. On va aller directement sur mon compte X. C'est @SofianeLubic. N'hésite pas à aller te follow. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, on va aller directement sur DBZ.com. Et DBZ.com, eh bien, ils ont les mots que Toriyama a prononcé justement pour l'annonce de Dragon Ball Daima. Message d'Akira Toriyama, donc l'auteur lui-même, ok. Je suis Akira Toriyama. Je travaille actuellement sur un nouveau Dragon Ball. Le titre est Dragon Ball Daima. Daima est un terme inventé. En japonais, ça correspondrait au caractère, donc vous les avez ici, ce qui revient à quelque chose comme grand danger ou grand mal en français. En raison d'un complot, ça c'est l'histoire, Goku et ses amis deviennent petits. Afin d'arranger les choses, ils partiront vers un nouveau monde. Donc déjà, on va avoir l'exploration d'un nouveau monde. Alors, en soi, c'est bien, un nouveau monde, exploration, tout ça. Moi, je suis OK. C'est une grande aventure avec une action intense dans un monde inconnu et mystérieux. Donc un monde qu'on ne connaît pas. Les aventures, forcément, on rappelle que Dragon Ball Daima, ça sort principalement pour les 40 ans de Dragon Ball. Et forcément, Toriyama voulait marquer le coup avec Goku qui redevient petit. Le petit clin d'œil, il a commencé son œuvre en 1984 avec un Goku petit. Il voulait 40 ans après marquer le coup avec un clin d'œil et commencer cette série. Peut-être ça se terminera avec Goku adulte, hein. Mais en tout cas, il voulait commencer cette série avec le Goku enfant pour justement ce petit clin d'œil des 40 ans. Comme quoi Goku, comme Goku doit compenser sa petite taille, il utilise son Nyoibo, donc le fameux bâton magique pour se battre, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc là, quand il dit « comme Goku doit compenser sa petite taille », il utilise son bâton magique. Ça veut dire quoi? Parce que s'il est petit et qu'il a l'Ultra Instinct, bah, il n'a pas forcément besoin du coup du bâton magique. Ou au moins, s'il a le SSJ Blue, il n'a pas besoin du bâton magique. Mais là, on nous dit qu'il doit compenser sa petite taille. Donc ce qui signifie qu'il a dû perdre en puissance. Il a dû perdre le ki divin. C'est possible. Donc là, du coup, il utilise le bâton magique. Alors, le bâton magique, c'est moins fort que le SSJ Blue, que l'Ultra Insta, etc. Hein, ça va de soi. J'ai conçu l'histoire et les décors, ainsi que de nombreux designs. En fait, j'y ai mis beaucoup plus que d'habitude. Donc, vous voyez, c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est lui qui a designé, que ce soit les décors, les personnages, et il y a mis beaucoup plus que d'habitude. Ça veut dire que
Toriyama, il a été investi plus que d'habitude pour ce projet, contrairement aux autres projets. Donc c'est pour ceux et celles déjà qui disent « Ouais, c'est pas canon, etc. » Crois-moi, si ça serait pas canon, il ne se serait pas autant investi, Toriyama. C'est lui qui a écrit, donc l'auteur a écrit, il a designé, il s'est investi, il rend ça canon. Voilà, tout simplement. Et pour ceux qui disent « Non, c'est pas canon, apporte-moi ta source. » Et si tu me demandes « Bah toi, c'est quoi ta source ?» Bah la source, elle est là. L'auteur, il s'est investi et c'est lui qui l'a écrit. Voilà. Donc, ensuite, on continue. Les événements qui se dérouleront se rapprocheront des mystères du monde de Dragon Ball. J'espère que vous apprécierez ces combats différents de ce qu'on a, d'habitude, pardon, mignon et puissant. Donc, en soi, ça, c'est bien. Voilà, on a une lettre de Toriyama, c'est bien. On nous dit que pas des CG Blue, d'après ce que je comprends, pas d'Ultra Instinct, c'est compensé. Voilà, il compense sa petite taille avec le bâton magique. Mais, il y a un mais. Chaque fois dans Dragon Ball, on a toujours eu, eh bien, des transformations. Alors, on va y aller étape par étape également. Déjà, pour commencer, on a dans le trailer, c'est beaucoup accentué sur l'arc Majin Buu. Majin Buu avec deux personnages qui contemplent ce qu'il s'est passé. Comme s'ils pouvaient voir dans le passé. Voilà. Et du coup, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que ces deux personnages, vous voyez leur cap. Leur cape ressemble beaucoup à la cape de Babidi et de Dabla. Donc je pense qu'il y a un lien, clairement, avec l'arc Majin Buu. D'accord ? Leur cape, tout ça, c'est quoi leur rapport avec Babidi et Dabla ? Je ne sais pas. Mais je pense que, voilà, ce sont des ennemis Maikaioshin. Alors, les amis, on va y aller en prenant des pincettes. Mais pour moi, je pense que ce sont des ennemis du Maikaioshin. Clairement, et en soi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'aller dans cette direction. On va aller encore beaucoup plus loin. On voit que, eh bien, le petit, on dirait un démon, il a un sceptre, ok. Et juste à côté de lui, on a une tenue ressemblant aux tenues des Kaioshin. Vous voyez, le petit bouton doré, tout ça, machin. La ceinture longue orange et tout. Donc là, pour moi, ça me fait vraiment penser à du Maikaioshin. J'étais même parti dans un délire théorique. Peut-être c'est le vieux Kaioshin en plus jeune, s'il n'aurait pas fusionné avec la sorcière, il vient d'une autre timeline, mais j'étais parti trop loin, tu vois. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien analyser, décortiquer. Mais en soi, je pense que là, c'est du Maikaioshin. On verra bien, on verra si j'ai raison ou non. On continue. On a le Goku, du coup, qui est enfant. Mais attends, si t'as du Maikaioshin, etc., et que ce sont des ennemis puissants, et que Toriyama nous dit que ça s'appelle Dragon Ball Daima, et que dans Dragon Ball Daima, Daima, c'est grand danger, grand mal. Comment il va faire, Goku, pour rivaliser? Et c'est là où t'as certains liqueurs, alors après, attention, il y a à boire et à manger, hein, faut pas croire tout et n'importe quoi, mais il y en a des fois, bah, ils ont des bonnes informations. La preuve, on avait été leaké en avance, avant l'annonce officielle, que Goku allait devenir petit, etc. Eh bien, on nous parle d'une nouvelle transfo. Nouvelle transfo, alors, selon certaines sources, encore une fois, alors, il y a de tout et de n'importe quoi. Moi, je pense que, sincèrement, si, et je dis bien si, avec des grosses guillemets, pour faire plaisir à ceux qui disent « C'est recopié de Dragon Ball GT », alors qu'en soi, c'est quand même différent, hein, les gars, à part Goku qui redevient petit. Mais admettons, admettons, on va aller dans votre sens, si c'est copié un peu de Dragon Ball GT, eh bien, allons beaucoup plus loin. La nouvelle transfo, ça pourrait être justement, eh bien, le Goku SSJ4 en taille petit. On lui fait repousser sa queue de Zaru, ça colle bien avec les 40 ans de Dragon Ball, parce qu'en 1984, on avait un Goku avec une queue de singe, d'accord, la queue de Zaru. Eh bien, 40 ans après, tu le refais redevenir petit, pas de problème, refais-lui ressortir la queue. Directement, et de par cette queue de Saiyajin, il va puiser la puissance qu'il a perdue, d'accord, le fameux ki divin, et peut-être qu'il va retrouver une puissance grâce à ses origines de Saiyajin et devenir le Super Saiyan 4 qu'on connaissait à l'époque dans Dragon Ball GT, qui n'est pas canon, forcément, mais du coup, on pourrait le rendre canon. Voilà, moi, franchement, je kifferais. Et puis, regardez, je sais pas, le flow du personnage, même en petit, en SSJ4, je trouve qu'il a du flow. Mais tu vois, en tout cas, voilà, c'est mon point de vue, tu vois, je sais pas. On prend des pincettes, mais en soi, s'il devrait y avoir une transformation, eh bien, on pourrait rendre le Super Saiyan 4 canon. Et du coup, ça nous amènerait à la fin de N2Z, à la fin de DBZ, où on a un Goku qui affronte Ub. Et en soi, il n'y avait pas d'Ultra Instinct, SSJ Blue, etc., quand il a affronté Ub dans le dernier Tenkaichi Budokai. Donc ça pourrait concorder en gros que Goku n'a plus besoin des pouvoirs divins. Il a réussi à rattraper, eh bien, la puissance qu'il avait perdue de par les origines Saiyajin.
Et en soi, je trouverais ça vraiment stylé. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésite pas à partager, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour recevoir toutes les notifications. Max de pouces bleus. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non, 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 non. Yeah.